Pour moi, je dirais que ça serait les championnats de France à Montgenèvre. C'est pas forcément mon meilleur résultat, mais ça a marqué le début vraiment d'une belle série. C'est vraiment ça qui. Et puis c'était un résultat assez inattendu quand même. Ça m'a vraiment lancé dans ma saison. Moi, ce qui me passionne, c'est plus le sport en général. J'aime beaucoup aussi faire du ski de fond, vu que j'habite quand même à la montagne. Et voilà, non, plutôt du sport. Moi cette année je viserai le top 5 en Coupe du Monde et ainsi que sur les grands championnats si je suis sélectionné pour y participer. Et le titre de champion de France Espoir. J'ai pas forcément de très mauvais souvenirs en VTT, on peut juste dire le Roc d'Azur dans ma deuxième année junior où je jouais le podium jusqu'à sur la piste cyclable où j'ai crevé, du coup je finis 8e, c'était une grosse déception. Mais voilà, c'est quand même pas un souvenir horrible non plus. Moi je suis plus Facebook pour traîner un peu, pour voir un peu tout ce qui se passe. J'écoute pas trop de style particulier, un soir je me contente de mettre Spotify et d'écouter ce qui arrive.